était mon frère, mon voisin. Tout ce que je savais de lui, c'est qu'il venait du même lieu que moi. Oui, le planteur de café qui avait fait fortune à la politique. Il avait l'image blonde et pas merveille. C'était le Bernard Tapie du cocotier. Oui, le planteur de café qui avait fait fortune à la politique. Ma mère disait de lui qu'il était très séduisant. Oui, peut-être parce qu'il avait de l'argent. Il avait inventé Aya, la petite métisse de la région parisienne. Aya, 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 ça se fout reggae. 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 Aya est une jeune métisse de la région parisienne. Aya vit en Sarcelles. Dans les territoires occupés, Aya est une lovely baby, une love story. Aya est une rocky reggae, une rocky song. Everything for the minority, living the world. Aya lit télé-poche, télé-star, télé-famille. Elle connaît le premier copain de Marie Monroe. Tony Delon, Alain Delon aussi. Ne pleure pas, chérie, l'image de ton planteur de café est là. Bonjour mes chouchous. Il était respecté de tous les gens parce qu'il était un homme droit. Aujourd'hui nous pensons à lui et vivons dans le souvenir du bien-être de sa vie. Un homme droit, un homme droit, un homme d'honneur, c'est ce que nous voulons aujourd'hui. Ne pleure pas chérie, l'image de ton planteur de café est là. Ne pleure pas chérie, l'image de ton planteur de café est là. Oh baby, l'image de ton planteur de café est là. Ne pleure pas. Marre de ton planteur de café là. Nous vivons aujourd'hui dans le souvenir de cet homme qui nous a rendu très orgueilleux et honnêtes. Quand nous voyons tout ce que nous avons autour de nous, par sa lutte, il nous a libérés en abolissant le travail forcé. Oui, ne pleure pas, l'image de ton planteur de café là. Ne pleure pas, chérie, l'image de ton planteur de café là. Aya, ne pleure pas, l'image de ton planteur de café là. Est-ce qu'il nous fait des choses comme ça, est-ce qu'on fait? Non, mon vieux père là, il exagère. Aya, ne pleure pas, l'image de ton syndicaliste est là. Aya, ne pleure pas, l'image de ton planteur de café est là. Aya, ne pleure pas, l'image de ton Ouh. Bonjour, 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 bonjour mes chouchous. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Voilà. Moi, ça va, hein? Ça va très bien, à part qu'il fait un peu froid, le temps est moche, il fait très, très, très moche. Ici, à Toulouse, ici, j'espère, je ne sais pas si c'est pareil chez vous, hein? Mais de toute façon, ça doit être partout en ce moment. Il fait pas beau, il fait tant de chien. Voilà, voilà. Bonjour, Alima, bonjour, Sita, Destinée Glorieuse, bonjour, merci beaucoup. Bonjour Cola. Bonjour tout le monde. Voilà, c'est juste bonjour, hein, juste on vous dit bonjour, il n'y a pas grande chose. Voilà, juste on vous dit bonjour. Pour vous dire que ça va très 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 bien, j'ai récupéré par la grâce de Dieu, tout va bien. Voilà. Votre chouchou va bien. Donc merci à tout le monde, merci à tous ceux qui m'ont envoyé des messages, m'ont appelé. Et je voulais dire aussi merci spécialement à ma famille de Toulouse, hein. Ma famille de Toulouse, mes amis de Toulouse qui m'ont rendu hommage hier. Mes proches, hein, avec qui je suis amie sur Facebook, ils m'ont rendu vraiment hommage hier. Je voulais leur dire merci, merci Lily, Lily de Toulouse, Lily Kyo, merci beaucoup. Merci Manu, Allah, vraiment ton message là m'a touché, mais j'ai pleuré. Mon élément est Venaï. Merci beaucoup. Merci. Ma framboise.
Viviane Ngoran, vraiment, tu as fait fort, ma chérie. Merci. Merci à vous tous. Merci à tous ceux qui m'ont rendu hommage hier. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé des messages, qui m'ont appelé, qui ont pensé à moi. Vraiment, c'est la première fois que je vois ça, quelqu'un qui tombe malade et puis on lui rend hommage sur Facebook. Depuis que je suis sur Facebook, je n'ai jamais vu ça. Mes amis, mes proches sont mobilisés pour me rendre hommage. Ils m'ont envoyé des gentils messages hier avec mes photos. Non, c'était trop chic. C'était juste magnifique. Voilà, c'était vraiment... Waouh! Ça m'a guéri encore quoi plus. Voilà, donc je tenais vraiment à leur dire un grand merci. Que Dieu vous bénisse énormément. Vraiment, on est ensemble de toute façon. La famille. Voilà, voilà. Donc, construisons cette villa pour nos mamans de nos vivants. Hein, construisons cette villa. Voilà, moi, je vais aller construire cette villa pour maman bientôt. C'est bon, la plus belle. C'est bon. Attends, oui. Je suis en train de faire mon direct. Je vais faire. Tu es pressé? Oui. Mais vas-y, monte. Mais non, on ne te voit pas. Vas-y, fais ton okay, truc. D'accord. On fume une clope en attendant. Ah, ok, vas-y alors. Donc, comme je disais, construisons cette villa, hein, pour nos mamans de leur vivant. Mais comme moi, mon papa est déjà décédé, je ne peux pas construire voilà, cette villa. C'est 17 villas pour lui de son vivant. Il est parti depuis. Hein. Mais peut-être ma maman, oui, je vais construire au moins 7 villas pour elle, hein, de son vivant. Donc, construisons des villas pour nos mamans, hein, et nos papas de leur vivant. Voilà, soignons nos parents de leur vivant. Voilà. La villa d'Abobo avec la famille Kadanchian, c'est trop bien. Vraiment, je n'ai jamais vu une villa aussi magnifique comme ça. On est sur les réseaux sociaux, on raconte des conneries. Les gens ne savent pas que les gens nous connaissent. Les gens ne savent pas que les gens peuvent aller là où on est, où nos parents sont. Vous voyez, quand vous êtes sur les réseaux, là, soyez vous-même, restez vous-même. Ça ne sert à rien de vous inventer des vies. Ça ne sert à rien. Voilà. Parce que Facebook, là, que ce soit Facebook, que ce soit n'importe quel réseau, on a des connaissances. On a des gens du quartier, de nos anciens, nos vieux amis qui nous connaissent depuis longtemps. Même les amis actuels qui nous connaissent aussi. On a mis avec eux tous ceux-là. Donc, ils savent qui nous sommes. Donc, ça ne sert à rien qu'on se vende des vies. Comme l'autre là, hein, qui ment à longueur de journée, qui se vende des vies pour dire que lui, elle a construit cette vie-là pour ses parents. Moi, vraiment, je trouve ça vraiment... Comme une noix directement hier. Ok, vas-y. Ok, il n'y a pas de souci. Vous comprenez? Donc, arrêtez de vous inventer des vies. Restez comme vous êtes. Moi, je ne peux pas m'asseoir comme ça, en train de faire direct pour dire que oui, j'ai construit des villas pour mes parents. Ça, au grand jamais. Je ne peux pas mentir parce que j'ai des vrais amis qui me regardent, qui me suivent. J'ai mes grands frères, mes pères, mes mères qui sont avec moi. Nous, chez nous, on ne ment pas. Voilà, on ne ment pas. Nous ne sommes pas des menteurs. On ne s'invente pas de vie. J'ai mes frères, mes soeurs, des mêmes pères, mes mères qui sont amis avec moi sur Facebook. Donc, je ne peux pas m'asseoir pour m'inventer une vie que je n'ai pas, quoi. Voilà, mais je ne sais pas pourquoi les filles, je ne sais pas si elles sont malades, je ne comprends pas. Parce qu'ils oublient, qu'il y a des gens dans la vraie vie, dans la vie réelle qui les suivent. Et ils s'asseyent comme ça, surtout les femmes, ça, tu en as qui mentent comme ça, bêtement. Comment une personne, tu peux t'asseoir pour dire que tu as construit cette villa pour ta maman. Pourtant, c'est des maisons d'Abobo, maisons Sojefia. C'est Sojefia. Hein? Quand même. Respectons-nous, vivons quand même. Donc voilà un peu, hein. Ne vous inventez pas des vies, mes chéris. Restez vous-même. Celui qui t'aime là, sur Facebook, là, il va te prendre comme ça. Voilà, il faut rester toi-même. Ça ne sert à rien de mentir. Ça sert à rien d'aller t'asseoir dans les restaurants des 5 étoiles, là, attendre de manger, qu'à vie, entendre toi-même la mettre, c'est que tu n'as rien. Ça ne sert à rien. Ça, c'est des fausses vies. C'est-à-dire, dans leur tête, là, les filles, dans leur tête, elles sont riches. Pourtant, en réalité, il n'y a rien. C'est 0-0 comme moi ici. Non, ne vous inventez pas de vie. Après, ça nous rattrape. C'est comme ça rattrape Lolo. Vous voyez, tous les jours, la fille tape la poitrine. Moi, j'ai construit cette villa pour ma maman. Est-ce ce qu'on appelle cette villa? Cette villa à Bigan. Toi, Mélamé, tu as construit cette villa pour ta maman. Et puis, tu loues maison. Mais j'ai jamais vu ça. Moi, je ne peux pas construire cette villa pour mes parents. Et puis, j'ai loué maison de quelqu'un. Je suis désolée. Franchement. Je ne peux pas construire cette villa pour ma maman. 17 villas pour mon papa. Ça fait combien? Ça fait 7 villas plus 17 villas. Ça fait 24 villas que tu as construit et puis tu loues maison dans Bigan. Mais quand même pas prendre des gens pour des cons. Et puis tu loues maison. Tu n'es même pas pour dire que tu es en train de construire maison. Hein. Tu as achevé, tu as commencé maison là. Donc peut-être que comme tu n'as pas les moyens, tu dors dedans pour l'instant. Tu m'as que ce n'est pas achevé. Mais tu loues maison de quelqu'un. Attends, tu as 24 villas.
Mais quand arrêtez de prendre des gens pour des cons là. Vous voyez, donc vraiment c'est compliqué. C'est arrêter de mentir. Ça ne sert à rien de mentir. Vos mensonges, ça vous rattrape après. Voilà. Ça vous rattrape. Restez vous-même. Faites comme moi. Moi, je m'en fous. Je prends mes photos là où ça me prend. Voilà. Je suis là, là. Mais voilà. Hein. Je suis. Voilà. Mais je ne me suis pas mis sur mon 30e pour faire mon direct. Je fais mes directs comme je veux. Je prends mes photos là où je veux, où j'en vis. Ce n'est pas pour énerver qui que ce soit. Non. Sinon, je peux aller dans des endroits de 5 étoiles juste pour m'inventer des vies. Mais ça ne sert à rien. Il n'y a rien. Après, c'est ridicule. Parce que tu n'as rien. Tu n'as rien. Quand tu n'as pas l'air, là, reste à ta place. Quand tu n'as pas les moyens, là, comme moi ici, il faut faire comme moi. Moi, je n'ai rien. Je ne peux pas me permettre d'aller m'asseoir à Sofitel en train de manger caviar ou je ne sais pas quoi, là, des crevettes, là, ou les langoustes, et puis prendre photo pour naguer les gens avec ça. Non, au grand jamais. En tant qu'il y a des parents qui ont faim. Je suis désolée. Donc, arrêtez. Parce qu'après, ça nous rattrape. Tu vas t'asseoir pour dire que tu as construit cette villa pour ta maman, pourtant c'est faux. Toi, mais tu sais que dans ta petite tête, tu es en train de mentir. C'est des maisons de Sojifia. Donc, vraiment, arrêtez. Arrêtez, les filles, arrêtez de mentir comme ça sur votre vie. Restez vous-même. Voilà. Restez vous-même, restez vous-même. Tu n'es pas obligé de mentir pour faire ton business. Non. Tu peux rester toi-même et puis faire ton business. Les business qu'on fait là, c'est la chance. Tu n'as pas besoin de mentir. Voilà. C'est la chance. Quand c'est ton jour, là, tu sais que tu vas, ça va marcher. Dieu même sait que c'est pour ton jour, là, ça va marcher, ça va marcher. Mais tu vas t'inventer une vie pour que les gens te regardent. Mais je suis désolée. Dieu n'aime pas ça. Et tout ça, après, ça rattrape tes enfants. C'est ça, hein? Donc, arrêtez de mentir. Oh. Ne vous inventez pas des vies. Oh. Hein? Voilà. 17 villas plus 17 plus 7 villas, ça fait 24 villas. Pour une personne qui a construit 24 villas en Côte d'Ivoire, qui loue maison, mais il faut arrêter de prendre des gens pour des cons, quoi. Franchement. Tu as 24 villas. Et puis tu loues maison. Non, toi, pour toi, là, c'est comment? Hein? Et en plus, tu viens faire un la CAF ici. Là, elle est venue là, hein, parce qu'elle a, hier nuit, elle a fait. D'après nous, on passe tout notre temps à faire des vidéos sur elle. Mais c'est normal qu'on fasse, on passe notre temps à faire nos vidéos sur toi, ma chérie. Parce que toi aussi, tu prends ton temps à faire des vidéos sur nous. Voilà. Donc, c'est comme ça. Hein. La façon dont tu n'as rien à faire, puis tu passes ton temps à parler des Benguis, des Parisiens. Là, tu nous insultes à longueur de journée. Là. C'est comme ça. Nous aussi, on prend notre temps aussi pour parler de toi. C'est comme ça. Voilà. C'est pas payant. La connexion n'est pas payante. Donc, c'est normal qu'on parle de toi parce que tu es une mytho. Tu mens trop. Faut arrêter de mentir. Hein, tu veux nous narguer. Oui, moi, je suis à l'aéroport. J'arrive à tel. Tu penses qu'il n'a rien à faire pour aller t'attendre à l'aéroport là? Tu penses que les gens sont bêtes? Les gens ne sont pas cons. Hein? Où ils vont t'attraper là? Ça va arriver. Tu es pressé. Tu penses qu'ils vont aller t'attraper? Tu vas faire, comment on appelle, communiquer de presse. Et puis, ils vont aller t'attendre à l'aéroport. Ils ne sont pas bêtes. Où ils vont t'attraper là? Ou toi, mais là, mais où? C'est-à-dire, c'est où tu t'entends même pas à ça là. C'est là qu'ils vont t'attraper. Donc, tu ne presses pas. Voilà. Il ne faut même pas te presser, ma chérie Coco. Les gens ne sont pas bêtes. Ceux que tu insultes, leurs parents, tous ceux que tu insultes, là, ils ont des amis, ils ont des enfants, ils ont des amis de leurs enfants. Il y en a qui n'ont pas accepté, donc t'inquiète pas. Je sais qu'ils vont t'attraper, ils vont te choper. Mais il ne faut pas penser que tu vas crier, gueuler sur les réseaux sociaux pour dire que oui, tu arrives à telle heure. Puis voilà, ils sont tellement bêtes, ils vont aller t'attendre gaillardement à l'aéroport. Non, ils ne peuvent pas aller t'attendre. Fallait pas dire. C'est l'erreur que tu as fait là, c'est pas qu'ils ne sont pas allés t'attendre. Parce que c'est parce que tu as annoncé ton arrivée. Donc, eux, ils ne savent pas qui est là-bas, qui t'attend, qui les attend là-bas. Donc, ils ne peuvent pas aller. Ils ne pouvaient pas aller, non. Il faut être bête pour aller, pour faire des choses comme ça. C'est pour ça que les gens ne sont pas allés te chercher là-bas. Sinon, eux-mêmes, les gens, mais ça va être même que tu allais arriver. Mais comme tu as annoncé que tu arrives, et du coup, voilà, ça a découragé tout le monde. La prochaine fois, là, il ne faut plus dire, il faut faire comme tu fais d'habitude. Parce que les gens te voient à l'aéroport. Quand tu fais ton embarquement à l'aéroport d'Abidjan, là, les nouvelles vont vite. Hein. Ils appellent ici à Paris, c'est pour dire qu'elle arrive. Elle arrive à telle heure. En ce moment, on peut aller t'attendre. Mais toi-même, quand tu annonces que tu arrives, là, ça n'encourage pas les gens parce qu'on ne sait pas qui est à l'aéroport là-bas. C'est comme si tu avais peur. Il fallait faire comme d'habitude. Tu n'avais pas besoin de faire communiquer. Voilà, je ne sais pas pourquoi tu allais faire communiquer sur ça, sur ton départ. Mais c'est rien. Laissez-la tranquille. Voilà, il n'y a que Dieu seul qui va régler son compte. Parce que c'est une vraie menteuse. C'est une menteuse, je suis menteuse, cette fille. Tu mens. Trop, ma chérie, tu mens tellement que tu mens juste quand tu vois, mais tu parles, tu te contredis. Tu vois, c'est pas bien. Quand j'ai construit 17 villas pour mon père et 7 villas pour ma maman, mais faut apprendre à nous respecter. Hein? Toi, tu as construit 24 villas et puis tu loues maison à Abidjan.
Tu n'as même pas un terrain. 24 villas. Dans Abidjan, tu as 24 villas. Et puis, tu n'as même pas un terrain. Tu n'as même pas encore même posé une brique. Mais tu prends tes abonnés là pour des cons, vraiment. Vraiment, tes abonnés sont cons. Hein. Il faut être con pour croire tes bêtises là. Toi, tu as 24 villas en Afrique. Et puis, tu viens faire la queue à la CAF. Là, le mois est fini, elle est venue encaisser là. Elle est venue encaisser, après elle va rentrer. Le mois est fini, vous voyez. Voilà, aujourd'hui, on est le 29. Donc, elle est venue là, elle va aller faire la queue là. Après, elle va récupérer, elle va partir pour aller, nous n'a rien encore. Donc, il faut apprendre à nous respecter, hein, Lolo. Tu vois, nous, on va parler. Moi, ça me fait plaisir de parler de toi. Hein. Ça ne me dérange même pas, même. Ça ne me coûte rien. Ça me fait ni chaud ni froid de parler de toi parce que tu es très bête. Voilà. Tant que tu vas parler de nous, si on fait des vidéos comme ça, on va profiter pour parler de toi. Voilà. Moi, ça ne me coûte rien parce que tu es bête. Tu n'as rien à la tête. Tu penses, tu te crois intelligente, mais tu n'es pas intelligente parce que tu es une vraie menteuse. Voilà. Tu mens trop. Tu mens. On doit te soigner. Tu as besoin de soins. Tu n'es pas normal. C'est pas que tu t'appelles psychopathe. Parce qu'il faut vraiment être une psychopathe pour s'inventer des vies comme ça. Une personne qui est normale ne peut pas s'inventer des vies comme ça. Je suis millionnaire, je suis ceci, je suis cela. Pourtant, tu n'as rien. En réalité, tu n'as rien. Ton papa galère comme ma maman là-bas. Ton papa n'a rien comme ma mère. Rien. Il n'a rien pour se soigner. Le vieux est fatigué. Hein? On sent même qu'il galère, même jusqu'à même là, mais il n'a rien. Et toi, tu vas t'asseoir gaillardement sur les réseaux pour dire que oui, tu es riche. Mais il faut arrêter. Hein? C'est vos malins là qui font que les gens vont fouiller dans vos vies. Parce que vous mentez. Vos mensonges là, c'est pour vous rencontrer à longueur de journée. C'est ce qui fait que les gens vont fouiller dans vos vies. Moi, je ne peux pas m'asseoir pour dire que mes parents sont riches ou moi-même je suis riche. Non. Pourquoi je prends ça pour nous? Même s'ils étaient riches même vraiment. Mais ça ne regarde que moi. Voilà. Ça ne regarde que moi. Donc, ce que tu as recherché là, c'est ça. Hein? Et puis, ça vient encore parce qu'ils vont aller filmer le salon là. Ils ont déjà filmé même. Ils ont des films là-bas. Peut-être qu'ils vont balancer après. Il faut arrêter. Tu exposes ta famille. Ce n'est pas bien. À quoi tes mensonges aujourd'hui, tes parents sont papillés comme ça sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas gentil. Ton pauvre père qui n'a rien à voir, il boit son petit koutoukou à Oumé là-bas tranquillement. Il ne sait même pas si vous existez. Il fallait que tu le mets là, ça, pourquoi on le prend en photo. Ce n'est pas gentil, quoi, franchement. Ce n'est pas gentil. Donc, voilà un peu, hein. Tu mens bêtement comme ça. Pour un oui, pour un non, tu mens. Vraiment, il faut te revoir, Lolo. Il faut te revoir. Hein. Moi, je te dis toujours, hein, je décide de ne plus être vulgaire avec toi. T'es insulté bêtement là. Il faut revoir ta vie. Parce qu'une femme ne peut pas mentir. Parce que je comprends pas, aucun homme ne veut rester avec toi. Parce que tu es une mytho. Tu mens trop. Tu mens jusqu'à même là. Je ne sais pas comment. Pour la même, c'est un mensonge même. Tu es malade. Là, j'ai vu sa vidéo, elle parlait de la villa, de ses 7 villas d'Abobo. Elle a rectifié parce qu'il y a des gens qui lui ont posé des questions. Elle dit que non, ils n'ont pas tout filmé. Pourtant, on sait que c'est des maisons, on sait que c'est des maisons de Sojefien. Hein. Mais elle dit que c'est elle qui a construit ça. Que ce n'est pas toutes les 7 villas. Je pense qu'elle est normale, cette fille. Hein. Mais vraiment, je pense que ça ne va pas dans sa tête. Et non, mais ils n'ont pas tout filmé. Ils n'ont pas tout filmé, ils ont filmé ça de loin. Mais c'est des maisons de Sojefien, Coco. C'est les maisons de Sojefia. C'est Sojefia qui a construit ces maisons. Ce n'est pas toi qui as construit. Hein? C'est des maisons, c'est des cités qui existaient déjà avant que tu naisses. C'est des maisons sociaux qui ont été construites, que ton oncle a acheté, que vous avez hérité. Et toi, tu viens t'asseoir pour mentir, pour dire que oui, c'est toi qui as construit ça, mais tu es normal. Arrête de mentir. Ce n'est pas bien. Il faut penser à tes enfants. Parce que tes mensonges à 2 balles, ça va rattraper tes enfants. Hein? Franchement, ce n'est pas bien. On voit même que c'est Sojefia. Maison de Sojefia. Toi, tu as construit maison de Sojefia. Maison comme les villas là qu'on voit à Abidjan, on sait que c'est villa. Hein? Quand c'est une villa, on sait que c'est villa. Une villa, 2 villas, 3 villas, 4 villas, c'est-à-dire 7 villas là, ça fait une petite cité fermée. Voilà ça. Par contre, on peut appeler ça une cité, des villas. On peut dire vraiment la ville a construit vraiment des villas. Mais maison de Sojefia qu'on a vu à Bobo là, c'est ça, toi, tu appelles villa, toi. C'est comme tu appelais, c'est pas comment, je sais même pas même. Mais je ne sais pas si c'est le normal. Faut te soigner, Coco. Faut te soigner. Hein. Mais nous, on va parler de toi. Tout ce que tu vas parler de nous, là, on va parler de toi. Voilà. Parce que tes vidéos, là, on les regarde. Moi, en tout cas, moi, maintenant, là, je regarde tes vidéos. Je regarde. Hein. Quand on m'envoie, là, je regarde ça bien, même avec plaisir. Et puis, je ris. Je suis mort de rire parce que tu es une menteuse. Tu mens, tu es ridicule. Voilà. Tu es ridicule.
Tu n'as plus rien, tu mousses plus. Ton frère, même ses affaires moussent plus. C'est votre grande gueule là, ça vous anéantit, ça vous aplatit aujourd'hui. Parce que vous avez la grande gueule, vous rencontrez que de n'importe quoi. Quand tu es une femme d'affaires, il faut te faire respecter. Il faut être une femme de parole, il faut savoir ce que tu dis. Mais tu dis que tu es une femme d'affaires et puis tu rencontres des conneries à longueur de journée. En plus de cela, tu profites pour insulter les gens. C'est-à-dire que tu rencontres des mensonges et puis tu insultes encore, tu mens encore pour ajouter. Mais tu es quel genre de personne? Toi, tu fais quel genre de business? Hein? Tu fais quel genre de business? Ton business, ça, c'est mentir, 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 mentir. C'est ce que tu appelles business? Je ne sais pas. Parce que tes vidéos qu'on regarde, on regarde là, tu rencontres que des conneries, tu es ridicule, hein, cocotte. Hein? Ceux qui t'applaudissent là, vraiment, c'est parce qu'ils n'ont rien à faire. Ou peut-être qu'ils ne comprennent pas ce que tu dis. Voilà, c'est des gens qui ne réfléchissent pas. Mais pour des personnes qui réfléchissent intelligentes, on sait tout de suite que tu mens, que tu rencontres que des conneries dans tes vidéos. Voilà, tu rencontres que des conneries. Il faut te revoir, Coco. Il faut te revoir, hein, Lolo. Tu exagères, hein. Il faut vraiment te revoir. Et puis arrête d'exposer tes parents pour rien. Parce que tes parents n'ont rien à voir avec ta sale vie, là, de merde, là, ta sale vie, ta vie de mensonge, là. Ta richesse d'Internet, elles n'ont rien à voir avec ça. Parce que c'est sur Internet que tu es riche. Voilà. C'est sur Facebook, tu es riche. Mais en réalité, tu n'es pas riche, tu n'as rien. Tu n'as vraiment rien, mais rien. Ça dit qu'on dit pauvre. Quand toi, mais tu maintenant là, tu ne veux plus dire pauvre lot. Parce que la vraie pauvre lot, c'est toi. C'est ça. La vraie pauvre lot même là, c'est toi. Hein? Toi, tu appelles les gens pauvres. Regarde, dans l'histoire même, c'est toi la vraie pauvre lot. Tu n'as rien. Tu n'as même pas une brique à Abidjan. Rien. C'est pas pour dire que tu as construit une maison. Quand on parle, on dit, ah, vous parlez là, c'est là une villa à Abidjan. Non, laissez-la tranquille. C'est une fille qui a au moins réalisé quelque chose. Mais tu n'as rien réalisé. Ceux même que tu insultes à mettre dans leur réalisation à Bigan. C'est leur maison, mais tu loues et puis tu dors dedans. Les benguistes que tu insultes à longueur de journée, là. C'est eux qui te louent maison. Même ton petit local de 5, de 10 mètres carrés que tu appelles institut, c'est magasin de benguistes. Tu vois? Donc, il faut apprendre à respecter les gens. Tu n'as rien. Tu n'as même pas même un terrain. Rien. Hein? C'est toi qui as eu des chantiers, on n'a jamais vu tes chantiers. Hmm? J'ai des chantiers, mais où est le chantier là? Faut nous montrer ça un jour, montre-nous les preuves. Fallait que nous-mêmes là, on trime, on galère pour avoir des preuves de tes 7 villas. Pour qu'on sache vraiment que tu n'as pas de villa, tu n'as rien construit pour ta mère. Arrête de mentir. Hein? On a tout fait, il y a qu'à tout faire pour avoir les preuves de tes 7 villas. Parce que toi, dans ta tête, tu as construit 7 villas pour ta mère. Pourtant, c'est faux. Hein? Maintenant, tes chantiers là, faut nous les montrer. Tu dis tu as des chantiers. Où sont tes chantiers? On t'a jamais vu sur un chantier. Moi, j'ai des amis qui ont leurs chantiers. Je suis ami avec eux sur Facebook. Je les vois sur les chantiers. Des fois, elles sont en direct. Elles sont sur les chantiers en direct. Elles font les vidéos sur les chantiers. Elles sont en train de travailler. Mais toi, on t'a jamais vu sur un chantier. Si on t'a vu, on t'a vu là. C'est que tu es en train de faire vidéo. Tu es assis dans ton petit coin, là, petit climatiseur en haut là. Et tu es assis là dans ton petit coin de Lolo Beauté là. En train d'insulter. C'est tout ton travail ça. Mais on t'a jamais vu sur un chantier. Vous dites que oui, voilà mon chantier. Vous parlez, vous m'insultez là, voilà mon chantier. Jamais à Abidjan. On ne t'a jamais vu sur un chantier à Abidjan. Hein? Présente-nous un jour ton chantier. Hein? Faut nous présenter ton chantier. Va sur ton chantier, tu vas dire que voilà, ici c'est mon chantier. Ils sont de construire ma maison, ma duplex. Voilà, nous on te respecte, mais tu mens. Hein? Quand j'ai construit 17 villas pour mon père et 7 villas pour ma mère. Mais pourquoi tu peux mentir comme ça? C'est pas bien, faut te prendre au sérieux, cocotte. Sinon, tu vas mal terminer. En force, les gens vont même plus te croire. Mais ça ne fait que commencer, parce que tout le monde commence à te découvrir. Voilà. Il n'y a que des abrutis là qui vont t'écouter, qui vont te suivre dans tes bêtises. Mais les vraies personnes là savent maintenant qui tu es. Tu es une menteuse. Tu es une vraie mytho. Avant, les gens disaient que oui, c'est parce que les gens étaient jaloux de toi. Mais en réalité, tu n'as rien. C'est pas le fait de faire Abidjan, Paris, Paris, Abidjan qu'on dit que tu es riche, non. Aujourd'hui, visa, là, ça ne coûte plus rien. Toutes les petites filles d'Abidjan, là, elles font. Moi, je suis amie avec elles sur Snap. C'est que tu fais, elles font ça. Elles viennent à Paris, elles font 15 yeux pierres et tout. Voilà. Les petites filles qui posent des ongles, qui stressent, qui font des coiffures, elles viennent à Paris, elles viennent faire shopping et pierres et tout. Je suis amie avec elles sur Snap. Je suis amie avec plusieurs comme ça. Elles vont à Dubaï, elles vont en Bacon, elles vont en Chine, elles vont à Paris. Voilà. Elles vont en Espagne et pierres et tout. Je les suis sur mon Snap. Je l'ai su sur mon Snap. Donc arrête de mentir. Parce que Dieu t'a donné une petite grâce. Tu fais Paris à bien, t'es bien boxé, là, on ne peut plus respirer. Hein? Moi, là, je vais venir me voir, c'est décembre. Je vais payer vos billets d'avion, vous allez partir en vacances.
Toi, tu as quoi? Va soigner ton père et ta mère. Là. Si tu as l'argent à payer, hein? C'est bon? Oui, on y va bien. Ok. Attends, accorde-moi 5 minutes, s'il te plaît. Il est quelle heure? Il est quelle heure? On va aller la chercher, t'inquiète. Il n'y a pas de grain. Ok, donc accorde-moi 5 minutes. Non, il n'y a pas de grain. Si tu as l'argent pour acheter des billets d'avion pour des bengis, là, va arranger déjà là où tes parents dorment et puis va soigner ton père. Voilà, va soigner ton papa qui a un gros boss là sur son visage là. Lui met la main, peut-être même bientôt, mais va avoir AVC. C'est ton père, mais peut-être qu'il sera handicapé bientôt. Je ne le souhaite pas, je bois, ce n'est pas mon souhait. Mais en force de réfléchir, à cause des problèmes, peut-être que voilà, il va péter les plombs, le pauvre vieux. Il faut arrêter. Toi, tu peux payer billet d'avion des Benguis, toi. C'est Benguis qui t'a montré comment payer billet d'avion. C'est Benguis là, les Parisiens que tu insultes, les mêmes là qui t'ont montré les billets boxés, tu as oublié ça. Les billets boxés que tu voles, tu prends tous les jours pour aller à Abidjan tous les jours là. C'est les mêmes là qui t'ont montré ça. Eux là, mais c'est bien fait pour eux aussi. Parce que vous êtes tellement dans vos paris, vous êtes tellement gentil. Vous lui avez ouvert les yeux comme ça, je veux dire qu'on est tous les petits civils, pense qu'elle est arrivée. Elle se croit arrivée. Les billets boxés que tu prends tous les jours là. C'est ça, toi tu peux offrir à l'homme, tu tiens bien, bien vous offrir des billets, vous allez voyager. Toi tu peux payer un billet d'avion à quelqu'un, toi. Finis par acheter des médicaments pour tes parents d'abord. Tu n'as rien. Tu es misérable comme ça, là, tu peux acheter un billet d'avion pour quelqu'un. Des billets boxés, là. Tu prends que des billets, c'est pas billet boxé là, toi tu peux faire quoi? C'est pas à cause des billets boxés que tu entres les deux avions. Mais baisser la tête en bas. Tu es une menteuse. Parce que tu vas pour faire Paris, Abidjan, je pense que tu es arrivé. Les petites filles d'Abidjan, elles font ça tous les jours. Mais on ne les voit pas en train de faire la grande gueule. Les petites filles, les filles même de 18 ans, de 19 ans, elles sont entre les deux avions. Parce qu'aujourd'hui, le visa n'est plus compliqué. Aujourd'hui, si tu as un registre de commerce à Abidjan, c'est tout, la plupart là, c'est tout des commerçantes. Elles ont des registres de commerce. Donc, elles viennent faire leurs achats à Abidjan, à Paris et Pierre et tout. On les voit sur Snap. Voilà. Les petites filles de rien du tout. Mais elles ne font pas boucan. Elles ne traitent pas les gens des pauvres. Mais toi, tu es quel genre de personne? Tu es une vieille, tu peux. En plus de ça, je vous apprends qu'elle a le même âge que moi. Hein. C'est une menteuse. Elle n'est pas née en 1980. Elle n'est pas née en 1985. Elle est née en 1960. Je crois 78. Voilà. Elle est née en 78 ou 77 par là. Voilà. Elle a bientôt 40 ans. C'est une menteuse. C'est-à-dire, tu es son bonjour seulement dans ses mensonges. Elle n'a pas 33 ans. Elle a bientôt 40 ans. Dans un an, elle va avoir 40 ans. C'est son vrai âge. Elle a diminué son âge. Oui. Elle a diminué son âge. C'est une petite. C'est une fille qui dort dans le mensonge. Elle, sa vie, c'est mensonge. Elle a diminué son âge. Son visage est dur, André, en bas des pieds de chaussures. Mais c'est son visage est dur, André. C'est mollet. C'est un petit mollet dur. C'est ça que son visage ressent. C'est une menteuse. Elle a diminué son âge. Elle a 39 ans. Hein? Elle va avoir 40 ans. Puis elle manque, elle a 30 ans. C'est une mytho. On va la chercher à quelle heure? Il a plus de 40 ans maintenant. Il est quelle heure déjà? Dodo, c'est à l'heure? Derrière à l'heure. C'est une pécheresse. Mimi Beauté qui mettrait de vieille matin, midi. Ah, Mimi Beauté a même âge que moi, elle a 43 ans. Moi, en décembre, j'aurai 43 ans. C'est pas un débat. Mimi Beauté a même âge que moi. Une famille de mythos comme ça là. Des menteurs, des menteuses. Une vieille comme ça là. Elle ment dans même son bonjour. Moi-même là, je ne crois même plus en son bonjour. Ah, tu es quel genre de personne? Et puis tu mens comme ça. Elle passe toute sa vie à mentir, cette fille. Elle a 33 ans. Oui! Elle n'a pas 33. Tout ça, on a découvert ça. Elle donc, a diminué si son elle âge. A 33 ans, et puis sa les fille. Les 5 enfants, elle les a eus à partir de quel âge? Ah. Parce que sa et première fille man, est elle majeure. Elle manquait sa fille à 15 ans. Non, sa fille à 16 ans. Elle manque sa fille à 18 ans. Sa fille a plus de 18 ans parce que sa fille ne lui parle pas. À cause de cette dépravation, sa fille ne lui parle pas. Ah, mais voilà une qui connaît un peu. Sa fille ne lui parle pas. Voilà. Elle ne parle pas avec elle. Donc c'est une menteuse, cette fille. Arrêtez de vous berner par elle. C'est une menteuse, hein. C'est une vraie menteuse, Lolo. Elle est majeure. Mais on commence à la découvrir un peu. Elle pense qu'on est là, on parle d'elle, c'est pour rien. Mais on va aller jusqu'au bout avec toi. Tu m'accordes encore 10 minutes alors. On va aller jusqu'au bout avec elle. Voilà. Si tu es contre là, elle va nous le dire. Elle va nous le montrer un bon matin. Si tu es contre, puis elle insulte tout le monde entier.
elle va nous le montrer pour dire que c'est à cause de lui qu'il a fait ma grande gueule. C'est le fait qu'elle a insulté la tante là qui me fait mal. Eh oui, mais elle continue. Là, elle a fait encore une vidéo, elle a insulté encore. Là. Elle continue à l'insulter. Je ne sais même pas pourquoi les gens la tolèrent. Et mais parce que les gens là, c'est même pas ça. Les gens la voient pas, ni aïe. Elle se cache. Elle se cache. C'est ça son problème. Maintenant, là, elle a compris, elle se cache. Elle se cache. Oui, Mimi Beauté a 43 ans. Mimi Beauté est née en 76, comme moi ici. Voilà. Mimi Beauté, c'est une vieille. Eux, là, leur famille, là, ils vivent de mensonges. Ils vivent de mensonges. De grandes soeurs jusqu'à petit frère ou petite soeur, c'est des menteurs. Voilà. Ils mentent même sur l'âge de leurs enfants. Oh, ma fille a 16 ans ou 15 ans, je ne sais même pas qu'est-ce qu'elle avait dit là-même. Elle ment, sa fille a bientôt 19 ans. Sa fille belge. Des menteurs comme ça. Des gens, on ne sait même pas d'où ils sortent. Des virus comme ça qui sont éparpillés sur les réseaux sociaux, juste sont là pour insulter les gens en désordre, pour pourrir la vie aux gens. Mais vous allez prendre. Voilà, c'est ça. Hein. Vous allez comprendre. Donc voilà, mes chouchous, ça pour vous dire que tout va bien. Je dois aller accompagner ma soeur, aller chercher son enfant. Je vais vous laisser. Voilà. Donc Lolo, on est avec toi jusqu'au Koi. Yaka, yaka, t'attends. Yaka, 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 yaka. Yaka, on dit Yaka, Yaka, Yaka. Tu es garçon ou femme. Il dit la partie que tu prends, j'accepte. Exactement. Ah, immédiat. Immédiat. Voilà. Il n'est pas dans le discours. Mais ce que Lolo cherche, là, il va lui montrer ça. Voilà, sa grande gueule qu'elle fait. Yaka, Yaka, même l'a calmé un peu ces temps-ci. Là. Non, elle n'est pas encore bien calmée. Mais ce qu'il va lui montrer, là, si elle quitte là, elle va apprendre à respecter les gens. C'est-à-dire peut-être même qu'elle va désactiver son Facebook. Son compte Facebook, elle va désactiver ça. Mais est-ce que tu as vu le direct d'une jeune fille là, qui Parce a montré le corps de sa copine? Que sa pommade a dégradé là, elle a des boutons partout. Oui, 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 j'ai vu. Vous voyez, vous n'avez vraiment pas d'autres soucis. Oui, on n'a pas. Mariam Diallo. Ben non, on n'a pas. Allez, là, notre souci là, c'est Lolo. Hein. Lolo est un virus. Donc, ce virus là, on doit tuer ce virus. C'est-à-dire, on doit. Je ne sais même pas comment on peut appeler ça. On doit terminer ce virus là. Voilà. Il faut dire à Diallo, elle n'a qu'à aller vendre voilà. Son pain, qui est devenue parler de Chotan. T'as compris, Diallo? Donc, on n'a vraiment rien à faire. Hein. Les gens, là. On est très, très occupé par ta chienne, là. Hein? Ta mytho qui nous fait chier, qui nous saoule la longueur de journée. Va lui donner des conseils. Va plutôt lui donner des conseils. Dis-lui d'arrêter de mentir. Elle ment. Elle vous ment à longueur de journée. Elle ment. La preuve, on a montré, c'est cette villa d'Abobo, là. Vous dites quoi? Elle n'a pas encore donné réponse. Mais oui, elle n'a pas encore dit le contraire. Nous, on attend les vraies photos. Sa villa, cette villa de sa mère qu'elle a construite à Bobo, là. On attend les vraies villas. Les photos des vraies villas. C'est les chambres de cour commune, là, qu'elle appelle villa. C'est ça. C'est comme Anna, tu te rappelles, Anna appelait vin moussé champagne, là. Anna. J'avais une copine, là. Elle paraît, mais comme Lolo Beauté, même. Hey, Seigneur. J'ai une amie là, une ancienne copine. Elle s'en a chauffé comme ça à l'époque à Abidjan. Oh, on a bu 10 champagnes. On a bu 10 champagnes. Alors, regarde, c'est 20 mousseux de 5 000. C'est mousseux de 1,29 là, qu'on lui dit. Hey, Paul Rémy là. Est-ce qu'elle l'appelle champagne? On a bu 10 champagnes. Donc, c'est un jour, c'est une de ces. Elle dit, mais on n'a pas bu des champagnes. On a bu 20 mousseux. Quand on a bu 10 champagnes. Aïe, 10 champagnes. C'est ce qu'on appelle 10. Donc il y a des gens comme ça. Vous les Ivoiriens, vous êtes trop bêtes. Il y a des gens qui confondent tout. Elle est la paix coup commune, villa. C'est le pote là. Donc là, elle me rappelle la fille. Elle a paix coup commune, c'est-à-dire coup commune entre coucher la tête. Peut-être elle a vu. Il y avait Abidjan en 2012. Ils ont dû modifier, ils ont construit peut-être 7 chambres. Ma maman travaille à Airbus. On dit ta mère est bien, elle est ingénieure. Tu vois? C'est bien Lolo Beauté en train de faire. Non, Lolo, elle va tuer. Donc, tu vois, elle me rappelle la fille là, qui disait qu'elle a bu 10 champagnes. On a bu 10 champagnes alors que c'est 20 mousses. C'est Paul Rémy qu'elle a bu. Paul Rémy, elle l'appelle Paul Rémy champagne. Non, mais laisse tomber.
qu'on habite, on a. Mais elle vient dire, quand j'ai la fille là, je la, quand je vois Lolo comme ça, je la vois en Lolo. Elles sont pas. C'est des prétentieuses, des mythos. Non. C'est des filles qui aiment s'inventer des vies. Elles aiment, elles tellement qu'elles mangent jusqu'à. Des fois même. Là. Bon, on va y aller, Niaï. Vous voyez, on passe par où même. On va passer comme ça. Ok. Si là même, on a côté. Ah, d'accord. Vas-y, quelqu'un. Elle est en train de rentrer dans la vie, elle active un rompre déjà. Là, je dis, non, elle ne peut pas tenir. Quoi, on a vu 10 champagnes. Elle dit, ah, 10 champagnes jusqu'à ce point. Elle dit, oui, oui. 10, et puis elle appuie dessus, 10 champagnes. 10 champagnes, on a l'autre l'ami Sandra. Alors, ah, non, 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 on n'a pas bu 10 champagnes, on a bu 20 mousseux. C'est mauvais. Hein? 20 mousseux, on a bu, c'est 20 mousseux, 5 000. Là, tu peux acheter des champagnes, 10 champagnes à 85 000 francs. Imbécile. Non, c'est vraiment, c'est des. C'est des malades, ces filles-là. Ah ouais? Ouais, tu m'as dit ça. Donc, on va là-haut, mes chouchous. Attends, mes filles vont nous tuer un jour. Il a dit, il y a à cause des réseaux sociaux, les filles, elles mangent trop, trop. Elles s'inventent de ces villes-là, mais laisse tomber. Voilà Lolo qui va dire qu'elle a construit cette villa. Elle a construit cette villa pour. On passe ici. Ouais, à droite là, non. Mm. Elle a construit cette villa pour sa maman. Ah! Cette villa où on va regarder, il n'y a pas villa. On ne voit rien. Elle n'a pas de terrain d'abord. C'est la maison de Sojefia. Putain. Non, mais laisse tomber. Mais comment tu peux mentir à un monde, tout un monde entier comme ça? Tu t'assois, je suis millionnaire. Moi, je suis millionnaire, j'ai des millions. Quand je finis d'insulter comme ça, là, quand je finis de faire mes vidéos et finis d'insulter comme ça, là, c'est des millions qui tombent. Aïe. Ma chérie, si les millions tombaient, là, une vidéo, trois, quatre, cinq vidéos où tu insultais les gens, là, mais tu allais arrêter quand même. Hein? Et puis, tu allais passer aux bonnes affaires, aux affaires sérieuses. Mais toi, tu continues à insulter seulement. Non, vraiment, c'est compliqué. C'est compliqué ton affaire là. Un chouagne. Ya, c'est une vieille chouette. Lolo, c'est une vieille chouette. Mimi, c'est une vieille, c'est la vieille chouette. C'est la vieille chouette. Et bien, cache le âge. C'est la sitaf. C'est la vieille chouette. Oh, j'ai 33 ans. Toi, tu as 33 ans. Non, mais je comprends pourquoi elle est remplie. Son visage est rempli de poches. Ya, moi aussi son âge. Eh oui! Eh, moi, sur son âge. Eh, moi, sur son âge. Ouais, je vois maintenant. Oh, voilà, oh, mes chouchous. Voilà, moi, je vais bien. Tout va bien, hein. Et puis, voilà, il fait un peu froid ici, hein. Vous savez, hein, c'est l'hiver. Hein, construisons cette villa pour nos parents de leur vivant, s'il vous plaît. Hein? Yaka Yaka, il faut construire 7 villas pour ton oncle de son vivant, s'il te plaît. Et 17 villas pour ta tante de son vivant, s'il te plaît. D'accord? Là, à droite, là. Oui, ok. Ok. Madame Navole, il recoule le coup, il va descendre par ici. Ah, on dit qu'elle dort. On est. Ah, de rien d'accord. Ok. Donc voilà mes doudous, hein. Mes doudous. Là, comme ça, pendant qu'il va chercher, tu vois. Moi, je vais construire 17 villas pour ma maman. Au moins, où elle vit encore là. 17 villas. Il y a levé là où penser 17 villas. Non. 17 villas, c'est beaucoup, hein. C'est pas à faire. C'est énorme. Je dis que à Bobo l'appartient. 17 villas. Ouh. À Bobo, elle pourrait. Il y a voiture. Ah putain, il n'y a pas de place. Tu peux te mettre là. Là, juste là. Oui, oui, tu peux te mettre là. Mais c'est trop juste, hein, Yaï. Tu peux te mettre là, il n'y a pas quelqu'un qui a. Vas-y, vas-y, je vais aller chercher place. Ah là là, non, mais laisse tomber. Les gens ont des problèmes sur cette terre. Ouh.
17 villas. 17 villas. Qui veut 17 villas? 7 villas, 24 villas. Dans Abidjan là. Ah. Non, 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 non. Mais laisse tomber. Ici là, pour se garer là, c'est dur. Il n'y a pas de place. Boah. Bon, je vais mettre là. Construisons 17 villas pour nos parents de leur vivant. Construisons 17 villas pour nos parents de leur vivant. Non, 24 villas. Parce que non, non, il ne faut pas mélanger. Maman a 7 villas et papa a 17 villas. Donc ça fait 24 villas pour les deux parents. Donc construisons 24 villas pour nos parents de leur vivant. D'accord? Ça, c'est le conseil d'une sœur. Hein? Construisons 24 villas pour nos parents de leur vivant. Mais si toi, tu n'as pas encore acheté ta maison, tu n'as pas encore acheté terrain même là. Il faut construire 24 villas pour tes parents de leur vivant. Voilà. 24 villas pour eux d'abord. Maintenant, si tu veux des années après, tu peux construire ta maison. Voilà. Donc, construisons 24 villas pour nos mamans et nos papas de leur vivant. Ok? J'espère que je suis claire. D'accord? 24 villas pour papa et maman. C'est-à-dire le père, d'après le sens, les papas, c'est les papas qui font des efforts. Donc lui, il a droit à 17 villas. Et puis la maman, 7 villas. Voilà. En tout, ça fait 24 villas de leur vivant. Faites ça. Vraiment, c'est bien. C'est des bons conseils. Un bon conseil. Hein? Ne construisez même pas pour vous d'abord, mais construisez pour les parents là d'abord. Au moins 24 villas d'abord. Voilà. Toi, tu vas construire, tu as fini de construire 24 villas pour tes parents et puis tu loues toujours maison. Mais tu nous prends pour des cons. Menteuse. Ouh! Ouh! Tu mens. Menteuse, menteuse. Voilà. Il y a un gars qui a oumé là. Il dit qu'il va le filmer chez ses parents là-bas. 17 villas de son papa là. Il va nous envoyer la vidéo. Voilà. Il y a un gars, il dit qu'elle ment. Il y a un gars qui a oumé, là, il dit qu'elle ment. Elle n'a rien construit là, qu'elle ment. Donc on lui a dit que non, c'est pas possible. Il dit si, 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 c'est une menteuse. Elle n'a rien fait. Tu vois, cette fille-là, on doit la soigner. Hein? Vous qui me regardez, vous ces abonnés qui l'aimez autant là. Amenez-la chez MC. Elle a besoin d'un psychologue. Ça ne va pas dans sa tête. C'est-à-dire, elle, dans sa tête, elle est riche. Elle est riche dans sa tête. Elle est riche, elle est millionnaire dans sa tête. Et puis maintenant, même ce qui a aggravé même l'histoire, même là, c'est le fait même qu'elle a eu un peu pour venir pour à Paris. Là. Et puis elle a eu maintenant la chance, quelqu'un lui a montré comment on fait pour avoir les billets boxés. Là. Ça là même, là, on est foutu. À cause des billets boxés, madame fait Paris, Paris à bien là. On est mort dans l'histoire. Moi, je suis entre les deux avions. Je suis entre les deux avions. Je fais Paris à bien, Paris à bien, Paris. Ouh. Nous, on va chez Air France et puis on paye billets d'avion cash. Voilà, 800 euros, mais 900 euros. C'est comme ça. Et dans Eco, moi je prends Eco, je ne prends pas première classe. Eco, tous nous sous là, on va arriver, c'est dans même aéroport, on va atterrir. Voilà, donc je prends, je ne me fatigue pas. Je prends Eco, 800 euros, ou peut-être deux fois maintenant même de 500 euros. Ça ne coûte rien. À la place de prendre le risque, juste pour narguer les gens, tu vas te gaver des billets boxés. Mais j'aimerais qu'on la chope un jour.
elle va se faire choper un jour parce qu'elle prend des billets boxés. Les gens diront que je suis jalouse, je ne suis pas jalouse d'elle parce que billets boxés, elle peut payer. Elle vous dit qu'elle peut prendre ça. Moi, on m'a appelé avant-hier. La personne qui lui a montré comment prendre pour faire des billets boxés, c'est la même personne qui m'a montré ça. Voilà, c'est la même personne qui m'appelle. Donc, on a toujours les mêmes connaissances dans Paris. C'est eux qui m'appellent ici pour dire vous voyez billet. Mais ça ne nous intéresse pas. Moi, je ne peux pas prendre le risque de prendre billet boxé pour aller quitter en France pour aller à Abidjan. Non. Je n'ai pas envie d'avoir des cauchemars, de faire des cauchemars comme on appelle dans l'avion. Parce que tu prends des billets boxés, tu n'es pas en paix. Et elle, c'est ce qu'elle fait. Mais comme c'est une fille qui n'a peur de rien, c'est une menteuse. Tu sais, vous appelez les menteurs, les VI, là, ils sont capables de tout. Les VI, là, ils sont où on ne rentre pas là, la VI rentre. C'est ça. Donc, on a peur de rien. Du coup, elle n'a peur de rien. Excusez-moi, hein, mes chouchous. Il va aller. Je crois qu'elle a pu récupérer la petite. Il va aller tourner. À cause de billets boxés, on ne peut pas respirer. Oui, moi je suis entre Paris et Arches. Entre Paris, Abidjan, Paris, Abidjan, Paris, Abidjan. On fait rien à ça là. On a trop fait ça, il n'y a rien dedans. Allez là, on vient aller s'asseoir à Abidjan. Yeah, il vient pas ici, attends. Chelsea vient la dépasser. Dorian, vas-y. Allez. Et tu mets ta ceinture. On va passer par ici. Là. Hein? Et puis on va passer par là. Ah, ici, oui, ah. C'est ce que vous voulez te dire. Elle prend Sina Dibo. Elle prend Sina Dibo. C'est une Ivoirienne. Elle dit qu'elle sait. Ah, son village me dit quelque chose. C'est pas ça. Mettez vos ceintures. Chelsea, mets ta ceinture, chérie. Mets ta ceinture, Chelsea, s'il te plaît, ma chérie. Voilà. Ouh. Ici, voilà. Voilà. Ici, oui. Ça fait combien de temps, monsieur, en direct là, mais ça je sais fait même. Un moment. Ça fait un moment, non? Bientôt une heure. Ah ouais, quand même. Parce que je suis allé à... Je suis resté longtemps alors. Je suis resté longtemps, ouais. Ouh. Ah ouais, bada. C'est qui ça? Ah, celle-là. Mais c'est toujours des gawas là, c'est comme une gawas, comme Lolo Beauté comme ça. Lolo Beauté une vraie gawas, elle n'avait pas de style. Oh, c'est toujours les gawas là qui mentent. Parce qu'elles sont prétentieuses des gawas là. Y a pas l'homme pour eux. Maintenant il y a un nouveau système de tchatcho. Maintenant là tu vas dans l'eau, puis on te gratte comme poisson, puis tu deviens blanche. Franchement. Tout ça là, juste pour voir, pour éclaircir sa peau, changer de peau. Et puis pour la quitte comme ça. Mais oui, ça donne la nausée, c'est dégueulasse. J'ai vu ça même, j'ai même pas regardé. Même. C'est dégueulasse comme ça. Ça fait pitié. Dans les territoires occupés, Aya est une lovely baby. Baby loves to be. Aya est une rocky baby. Laisse, y'a pourquoi tu te montres mon papa Escofi. C'est mon père Escofi qui chante là. Il rend hommage à Aya. Aya. Il rend hommage à Aya. Amen. Dorian, toi, ma carte.
Il était respecté de tous les gens parce qu'il était un homme droit. Aujourd'hui, nous pensons à lui et vivons dans le souvenir du bien-être de sa vie. Un homme droit, un homme droit, un homme d'honneur. C'est ce que nous voulons aujourd'hui. Ne pleure pas, chérie, l'image de ton planteur de café là. Ne pleure pas, chérie, l'image de ton planteur de café là. Oh baby, l'image de ton planteur de café là. Ne pleure pas, aïe, l'image de ton planteur de café là. Nous vivons aujourd'hui dans le souvenir de cet homme. Quand nous voyons tout ce que nous avons autour de nous, par sa lutte, il nous a libérés en abolissant le travail forcé. Oui, ne pleure pas, marche ton planteur de café là. Regarde, pourquoi tu vois que mon vieux père là? Est-ce que ma fille chante bien? Arrête ça. Ton planteur de café là. Non, il aime tellement, mais c'est la parole qui vient de café. Il n'est pas nous fouet. Il n'est pas de vous fouet à Marie-Thérèse. Wow. Et vous dites, aïe, ne pleure pas, l'image de ton planteur de café là. Attends, c'est pour toi. Et vous dites, il parle de, Marie-Thérèse Oufoué et Oufoué lui-même. On a pas quitté la voix. Voilà. What to be done in your rescue be done. À la politique, c'était mon frère, mon voisin. Tout ce que je savais de lui, c'est qu'il venait du même lieu que moi. Oui, le planteur de café qui avait fait fortune à la politique. Il avait l'image du long des pas de merveille. C'était le Bernard Tapie du cocotier. Oui, le planteur de café qui avait fait fortune à la politique. Ma mère disait de lui qu'il était très séduisant. Oui, peut-être parce qu'il avait de l'argent. La vie qu'elle se vante aujourd'hui, là, Satan l'a rattrapé. Voilà. Satan l'a rattrapé. Aujourd'hui, là, tout le monde sait qu'elle touche la CAF. Parce qu'une fille qui a des millions ne peut pas aller à la CAF, aller faire la queue à la CAF. Ça, c'est impossible. Parce qu'ici, en France, ici, là, c'est selon ce que tu gagnes, là, c'est en fonction de ça, tu as des aides. Si tu gagnes bien ta vie 100%, tu n'as droit à rien. Voilà. Tu n'as droit à rien. Non, c'est parce qu'elle n'a rien qu'elle va faire la queue à la CAF. Donc, ce qu'on dit, là, ça nous rattrape après. Donc, arrêtez de mentir sur vos vies. Arrêtez de vous passer ce que vous n'êtes pas. Voilà, c'était mon mot de fin. Je vais vous laisser. Je vous souhaite vraiment un bon après-midi. Et puis voilà, je vous aime très 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 fort. Et sachez que vraiment ma santé, ça va mieux. Tout va bien. Dieu fait grâce, ça va. Voilà. Je vous aime, mes chouchous. Et bisous, 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 bisous. Bisous, bye. Bye, bye.